Deux événements célébrés en une soirée. Le premier est le 7e anniversaire de la chaîne de télévision Guérite TV Monde et le second est l'an 2 de l'émission Les Grandes Contradictions. Le devoir de reconnaissance à Allah, le tout miséricordieux, pour ses bienfaits est l'acte premier de cette célébration. Deuxièmement, le président du comité d'organisation a levé un coin de voile sur l'organisation de cette cérémonie. Il y a plus de 7 ans, il a rêvé. Il y a 7 ans, il a posé les premiers pas. Et aujourd'hui, 7 ans après, je pense que l'organe vit et fait son petit bonhomme de chemin dans l'univers médiatique béninois, partout chez nous et ailleurs. Au nom du personnel de Guérite TV Monde, Evelyne Dossou a rappelé au parterre d'invités le parcours et les faits qui illustrent la devise de cette télévision en ligne. Nous savons pertinemment que l'avenir des médias, c'est bien le numérique. Nous méritons bien, mesdames et messieurs, le titre du leader des web TV que nous ne revendiquons pas, justement parce que les œuvres s'expriment à notre place. Ce rendez-vous festif a été honoré par plusieurs personnalités de l'univers des médias, notamment le conseiller de la HAC Franck Pochemin et le vice-président de l'institution. Par ailleurs, la présence de plusieurs acteurs de l'arène politique était remarquable. Leur discours n'était point des flatteries, mais une reconnaissance de mérite aux promoteurs de Guérite TV Monde. Le caractère séduisant du groupe qui se bat pour exister sur le Gotha de Guérite TV Monde. Encore une fois, merci à Guérite TV. Je vais profiter pour demander à l'ensemble des politiques ici de bien vouloir continuer, pas supporter, pas appuyer le groupe. Je vous confie tout simplement à Dieu. Je dis plein succès au groupe Guérite TV, parce qu'il n'y a pas que Chams, c'est tout un ensemble, et que Dieu vous accompagne partout où besoin sera. Et les hommes et les femmes qui animent cette chaîne de télévision en ligne devaient être satisfaits du chemin parcouru et trouver chacun en ce qui le concerne les ressources nécessaires pour une réussite totale. Puisqu'il n'y a pas de fête sans buffet, les invités se sont régalés. La coupure du gâteau marquant le 7e anniversaire de Guérite TV Monde a bouclé les moments de dégustation. La suite fut dansante. Nous allons souhaiter plein succès à Guérite TV Monde. Nous allons souhaiter nous retrouver, Inch'Allah, peut-être pour fêter les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans et pourquoi pas les 50 ans un jour. En tant que marraine de cette célébration, l'honorable Olga Kitobi n'a pas manqué d'apprécier le travail effectué par Guérite TV Monde. Je félicite tous les agents de la Guérite TV Monde et particulièrement le promoteur, mon frère Shams Din, qui me soutient toujours pour toutes mes activités aussi. Qui est toujours de mon côté. Je salue toujours mon frère Shams Din et je prie pour l'entreprise Guérite TV Monde. Il y a donc 7 ans que Guérite TV Monde fait du chemin en tant que télévision en ligne. Pionnier et leader, la célébration de ce 7e anniversaire ouvre la voie à de nouveaux défis, à la fois pour son premier responsable et pour tout le personnel. La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik, de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki, Asiki, pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Gbegame, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'Eneam, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26, plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité.